L'Égypte, c'est un des pays les plus marquants pour nous, je pense, dans le projet, puisque c'est vrai qu'on sent l'interdiction de se regrouper, les lieux culturels ferment les uns après les autres, il y a des médias qui sont aujourd'hui plus accessibles. Donc les jeunes qu'on a rencontrés, c'était tous des jeunes qui étaient actifs pendant la Révolution, qui ont justement utilisé l'art comme moyen de faire passer leurs idées et qui étaient vraiment mobilisés, impliqués, et surtout aussi déçus et profondément désillusionnés en fait de ce qui se passe. Donc la dynamique artistique continue, mais c'est vrai que c'est des conditions très très compliquées aujourd'hui en Égypte.